La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Toi, c'est qui? Saramero. Qui es-tu? Amiro John Saramero. John Saramero. Qui es-tu? Saramero. Hein? Je suis Bob Marley. La fille, si vous connaissez Bob Marley, laissez-le s'exprimer, non? Qui a les Rasta sur la tête là aujourd'hui? Rasta. Lox. C'est l'homme là qui a initié ça. Bob Marley. Maintenant, les femmes sont derrière ça. Voilà qui joue à la guitare. Ah. Le studio. Et c'était un drogué. Vous voyez comment il fume le chanvre? Qu'est-ce que tu as? On appelle ce que tu as sur la tête là comment? Fille qui a mis le micro en main là. Rasta. Qu'est-ce qui danse devant toi là? Qui vient souffler la fumée sur toi? Il dit que c'est Bob Marley. Il dit que c'est Bob Marley. Tu dis que quoi? Hein? Que c'est Bob Marley. Tu confirmes? Hein? Ok. Tu veux chanter comme lui? Comme il chante? Non. Hein? Non, je ne connais même pas sa musique. Et comment tu as son look? Hein? Vous voyez que ça a traversé les générations. La génération aussi ne connaît pas Bob Marley. Mais son héritage a traversé les générations. Hein? Dis-nous, tu ne fais que danser. Parle-nous de toi-même. Gring, gring, gring. Parle-nous de toi, Bob Marley. Hein, qui es-tu? Bob Marley. I am Bob. Oui. Qui es-tu? Bob Marley, c'est qui? Hein? Dis-nous qui tu es. I am the spirit. Uh-huh. Physiquement, je suis un humain. Uh-huh. Et un miroir. Un miroir? Oui. Uh-huh.
Qui s'est mis sur toi? La jeunesse. La jeunesse. Oui. Uh-huh. Je demeure dans tous les jeunes, siècle présent. C'est parce que j'ai reconnu mon élément. Hein? J'ai vu un de mes éléments. Où? Ah. C'est lui qui t'a pris? Oui, c'est lui qui m'a pris. Comme ça. Quoi? Il ne va pas se séparer de mon influence comme ça. Jamais. Quand il y a goûté, on ne peut plus s'en en séparer. Quand on a goûté à quoi? À la drogue. Qu'il est en train de vivre maintenant, actuellement. Tu penses que tu vas m'échapper comme ça? Parle-nous de toi. J'ai tout dit. Spirituellement, je suis un esprit. Physiquement, je suis le miroir. Tu vois, je suis mort physiquement depuis combien de temps? Beaucoup d'années, hein? Mais ça dépasse 30 ans. Mes œuvres continuent à vivre de génération en génération. Ça dépasse 30 ans. Ça dépasse 30 ans qu'il est mort. Hein? Et les gens qui ne l'ont même pas vu sont à son look. Qui es-tu? Hein? Moi. Toi qui? Moi. Ça veut dire quoi? Hein? Le moi. Le moi, hein? Tu veux quoi là? Tu viens faire quoi là? Je ne veux pas quoi là? Dis, tu viens faire quoi là? Je suis là. Pour faire quoi? Parce que tes gens disent qu'ils appartiennent au type là, alors qu'ils s'appartiennent à eux-mêmes. Ah, ils s'appartiennent à... Ils appartiennent à eux-mêmes. Ils s'appartiennent à ils eux-mêmes. Ils appartiennent à eux-mêmes. Et ils disent qu'ils appartiennent à Dieu. Oui. C'est pourquoi tu es venu? Je suis là. Pour te déconnecter d'eux. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi? Méfiez-vous. Hein. Levez-vous pour vous déconnecter de l'esprit du moi. Dis à Jésus, Jésus, prends ma vie. Je te la donne sans regret. Je te donne tout, Seigneur. Mon corps, mon âme et mon esprit. Lève tes deux mains symboliquement pour dire à Dieu, je m'abandonne entièrement entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, tel que je suis. Je laisse tomber le moi. Je laisse tomber l'ego. Au nom de Jésus, je te coupe la tête, esprit d'égoïsme, de moi. Je viens tout droit des abîmes. Oui. J'ai juste pris le corps de quelqu'un qui s'amusait à jouer avec la drogue. J'ai commencé à travailler physiquement parlant. J'ai semé la loi du plus fort. Avec le thé, on est le plus fort. Avec le? Le thé, le gay. Le thé, hein? Le gay aussi. Le gay.
On est le plus fort. On n'a peur de personne. On sème la terreur. Ton esprit là libère la jeunesse. Mets-tu le feu sur l'esprit de Bob Marley. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au +237 678 78 16 21, +237 242 00 20 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana.